Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de révéler le symbole de commandement. Alors, je vais vous montrer plusieurs emplacements de symboles. Donc, vous allez juste devoir vous rendre à un seul emplacement pour réaliser le défi. Mais d'abord, je vous montre plusieurs emplacements. Donc ici, à Retiro, près du panier de basket, enfin du terrain de basket, il y a un premier symbole. Donc là, il faudra le révéler. Donc maintenant, je vais vous montrer l'emplacement de Misty Midon. Donc, il est juste en plein milieu de Misty Midon, près de l'eau. Donc, je vais vous montrer l'emplacement exact. Comme ça, ben, vous aurez plusieurs emplacements si jamais vous ne voulez pas forcément aller à Retiro. Ben, vous pourrez aller à Misty Midon. Donc à Misty Midon, il se trouve juste ici près du pont. Donc voilà le deuxième symbole que vous allez devoir révéler. Et le troisième symbole que je vais vous montrer se trouve à Weeping Woods. Comme ça, ben, vous aurez trois emplacements. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Vous en faites un et ça validera votre défi. Donc à Weeping Woods, normalement, il se trouve en plein milieu, mais je ne suis pas trop sûr. Attendez, je le cherche. Alors, à Misty Midon, normalement, il devrait se trouver juste ici, mais je ne le trouve pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Misty Midon et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi. Ok, donc c'est parti, je me rends à Misty Midon et logiquement, le symbole devrait se trouver là. Ben oui, effectivement, il se trouve devant la maison. Je ne sais pas pourquoi, en mode rediffusion, il n'apparaissait pas. Sûrement un petit bug. Mais c'est pas grave, de toute façon, je voulais quand même vous montrer ce que vous allez devoir faire parce que c'est peut-être pas forcément simple pour tout le monde. Donc, quand vous êtes près du symbole, regardez, il y a trois hologrammes qui vont s'afficher et vous allez devoir réaliser les trois hologrammes. Donc ici, quand il monte la pioche, ça veut dire que vous devez taper un coup de pioche. Ici, vous devez vous accroupir tout simplement et là, vous allez devoir sauter. Donc, vous allez devoir répéter en fait les symboles, les hologrammes qui vous sont montrés. Donc voilà, tout simplement, quand vous aurez fait les trois hologrammes, ben vous aurez terminé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb